Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je jette mon dévolu sur ce maître mot, la diversion. J'entends par là les compétences qui permettent d'attirer l'attention du tueur ailleurs que sur moi en l'occurrence, sauf si je n'ai pas le choix. Nous avons quoi comme compétences là-dessus? Nous avons la perque caillou, qui est bien plus intéressante que ce qu'il n'y paraît, et nous avons la compétence leurre qui est apparue récemment. Mais en même temps, avec la dernière mise à jour, notamment avec la modification du temps de sabotage des crochets, ça peut rendre une partie bien plus intéressante si on s'organise. On expérimente quelque peu cela ici et on essaiera de pousser plus tard la stratégie. Très bien, c'est parti. Bon, Kiki, le fait est là que j'incarne ce cher Ace solitaire, seul et humble. Au Far West, venu pour chercher des réponses sur son destin. Alors, dis donc, Ace, que cherches-tu là? Peut-être à sauver ta vie. Bon, il est sur plaisir, le tueur. Donc, tranquillement, on va continuer à réparer ce qui doit l'être. Nous avons quoi donc? Nous avons ce cher et beau et fringant Leatherface. Qui, tout de go, semble en vouloir à la belle et Judas Laurie Strode. Bon ben très bien, fais ton destin. Voilà, je vais aller chercher le reste. Est-ce que nous avons quelque chose? Non, on n'avoue pas de thème particulier autre que celui perçu ici. On va cependant continuer de fouiller ce qui doit l'être. Donc on va venir ici tranquillement. On va poser ce beau parchemin à l'entrée de ce loop. Et on va voir ce qu'il y a dans ce coffre, en espérant qu'il y ait une clé, hein, parce que les clés, c'est vraiment mon truc. Voilà, Laurie, pourquoi tu fais ça, Laurie? Ah, il me semble qu'il y a des crochets là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il va chercher, va poser là-bas. Hein. Pas jojo, c'est pas joli. Hein. Ah bien, fais ta vie, mon gars. Allez. Ace jusqu'à nouvel ordre, parce que là jamais pas trop. Ok mon gars, j'arrive, t'inquiète. Ok, va-t-il revenir? La question mérite d'être posée. On va aller quand même chercher dans ce dernier coffre, voir si nous n'avons pas la révélation. Laurie, pourquoi tu nous as trahis? Laurie, pourquoi Laurie? Trahison. Judas. Eh bien, là, il y a une autre trousse à outils. Qui est bien pratique hein, sur les crochets hein, pour faire ce qui doit être fait. Oh. Ici, ça craint. On va probablement vouloir la récupérer ici. La mener par là. Allez. Porte là et viens ici. Bien mon gars! Alors, tu dois pas trop apprécier ce qui vient de se passer, j'ai l'impression. Wow! Est-ce que tu l'as posé? Je ne sais pas. Hein. Oh, il a quand même réussi à la poser. Il doit avoir peine de fer ou un truc dans ce goût-là. Quelle horreur mon gars! Quelle horreur! Tu t'es fait farm? C'est ce qui s'est passé? Mais non!
Il doit vraiment pas m'aimer. Nous sommes fougères. Nous ne sommes plus là. Faisons corps avec les buissons. Nous avons disparu. Ok mon gars. On a fait ce qu'on a pu. Toi, tu veux que je te soigne. Je fais comme je peux. J'ai fait comme j'ai pu. Non seulement la diversion, mais également le sabotage. Par contre, les crochets qui reviennent au bout de 30 secondes, c'est tellement la misère. Cela va-t-il être suffisant? Oh oh. Allez, Clazy, tiens bon. Tiens bon, Clazy. Petit coup de tronçonneuse dans le pif. Est-ce qu'elle va nous Judas encore, cette belle Laurie? J'espère pas, hein. Fais pas ça, Laurie. Oh. Ah si, elle a Judas quelqu'un d'autre, nom de Dieu. Je verrai à la fin si Clazy dispose de quelque chose comme... lien. Un truc dans ce goût-là. Oh, il m'a tellement fait peur. Le beau et fringant. Vautour. Salut les loulous, salut les clovettes. Ah, attends, besoin de soins, envie de toi. Allez, c'est parti. Hein. Faisons ça. Allez, go les filles. Nous pouvons le faire. Ça va peut-être être un peu chaud, mais nous pouvons le faire. En espérant que les trois dans la moteur ne soient pas disposés au mauvais endroit. Il doit cependant me haïr, le beau Leatherface, pour la simple et bonne raison qu'il m'a vu détruire les crochets sous ses yeux. Est-ce que ce ne serait pas un point pour me haïr suffisamment et face camper? Excellente question. Oh. Wow! Ah, et ça. Ok. Les gars. C'est votre moment, les gars. Dans la nuque. Raté mon gars. Allez, allez, allez. T'es peut-être rendu un peu fou. Peut-être qu'il ne m'aime pas trop. Fort probable. Persévérance. Tente le diable pendant qu'il est encore chaud. Allez, allez Leatherface. Allez Leatherface. Montre-nous de quel bois tu es. Ah. Que pouvez-vous faire ici? Oh, mais bien sûr. Ok. Il va remonter ou pas? Bien sûr qu'il va remonter. Casse ça. À pas être content. Non, il fait quoi? Il campe les deux moteurs. Wow, 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 wimbo.
Ok, pas content, pas content. Continuons de jouer la prudence. Que va-t-il faire? Ouais, c'est ça, il est en train de bloquer les moteurs. Ouais, nous avons deux moteurs, trois moteurs, presque. Hein. Assez proches les uns les autres. Pour aider cette chère et belle Claudette. On va utiliser la caisse à outils. Autant que possible. Alors, est-ce que nous avons ici quelque chose qui pourrait ressembler à un genre d'adrénaline? Allez! Tant de Dieu! Allez, mon gars! Allez, mon gars! Allez, Interface! Possible que je t'ai rendu un peu foufou. À juste titre, hein. Terrible jungle. Ah, ok, qu'avons-nous là? Ok, tu suis quelqu'un. Ah, la tristesse pour moi. Le coup dans la nuque. Allez-y. L'autre porte, allez. C'est votre moment, les gars. Si vous voulez un bodyguard, c'est votre moment, il m'aura jamais accroché. Ouvre la porte. Open the door, mon poteau. Allez! Salut. Oh! Oh! Parfait.